Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour du Nirupana numéro 4, toujours dans le recueil d'enseignement de Nisargadatta Maharaj, méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Un entretien qui a eu lieu le 22 décembre 1977. C'est donc Nisargadatta qui parle, hein, sans échange de questions-réponses, ce sont uniquement les propos de Nisargadatta qui ont été pris en note par son disciple. Votre rêve vous est propre, personne ne peut le voir. Pareillement, votre monde vous est propre. Tout comme quand nous rêvons, eh bien voilà, nous ne pouvons pas partager le contenu de ce rêve avec quelqu'un d'autre sur le moment. Eh bien là, c'est pareil. Ce monde que nous vivons, nous savons très bien, même si nous passons notre temps à échanger, à vouloir partager avec d'autres êtres, nous avons une version propre. Chaque individu va avoir une version qui lui est propre par différentes capacités d'essence, par le point de vue particulier, la situation particulière, les différents filtres émotionnels, conceptuels. Voilà. Chaque monde est unique. Et nous est propre. Le fait « je ne suis pas les vêtements que je porte » est facilement compris. Le fait « je ne suis pas le corps » ne peut être compris sans la grâce du Gourou. Vraiment cette invitation en fait à écouter les enseignements, à écouter cet appel qui est en dehors de l'histoire. Le Gourou représente finalement cet appel de la conscience à se reconnaître. L'appel du soi, et c'est pas au niveau du personnage de l'histoire que ça peut se faire, c'est sortir de l'histoire. La parole du Gourou, je suis pure conscience, a valeur de mantra. La réalisation du soi ne change pas. C'est cet immuable. Sa manifestation va pouvoir évoluer et changer, mais ça fait partie déjà de l'histoire. La réalisation du soi, là, voilà, c'est cette présence à l'immuable. Plus grande est la compréhension, plus faibles sont les désirs. L'essence du soi est sans désir. Complétude. Que désirer quand il n'y a rien. C'est en cela que, quelque part, cet oubli est en quelque sorte nécessaire pour créer une histoire. Sinon, il n'y aurait même pas l'énergie de pouvoir le faire, la motivation. Le jiva, le soi identifié au corps, était pris du corps dans cet oubli de notre véritable identité, eh bien voilà, se crée déjà ce premier attachement, cette première identité au corps. Et tout ce que ça induit, évidemment, bien ensuite. Dans tous les cas, n'oubliez pas que même absorbé dans le soi, le corps doit être bien soigné. Et au-delà du corps, c'est simplement aussi, voilà, ne pas non plus d'un seul coup... des fois dans des compréhensions qui peuvent manquer, de maturation aussi, d'un délaissement total, d'un rejet presque même, mais empreint encore d'une certaine négativité ou d'une souffrance du monde manifesté. La parole du gourou reflète notre vraie nature. Une fois que tous nos efforts arrivent à leur fin, notre vraie nature brille spontanément. L'effort, c'est en fait aussi encore, on pourrait dire, dans l'histoire, c'est le non-effort et la spontanéité et le pendant, on pourrait dire, dans l'histoire, dans la manifestation, cela va passer par un effort et une assiduité, une,
une intensité. Et là, ici, c'est l'état naturel aussi. Hein, on parle de sahaja samadhi, l'état samadhi naturel, ce qui est là naturellement, qui ne demande pas un effort particulier. C'est tout ce paradoxe, en fait. Et une certaine clarté sur ce paradoxe va permettre de, justement d'appréhender cette totalité, notre totalité. C'est dans ce sens que là on touche aussi à la non-dualité. C'est à la fois, tout à la fois. Celui qui a tant soit peu contemplé le soi n'aura plus besoin d'aucun dieu ou déité. En fait, il n'aura besoin de rien. Un tel être ne blessera même pas la plus petite créature. Ce retour à la plénitude, ce retour à voir qu'il n'y a que cela, quels que soient les noms qui pouvaient être donnés, quelles que soient les distinctions qui pouvaient être faites, d'intérieur, d'extérieur, de supérieur, d'inférieur, de séparation, de moi, du monde, tout cela a disparu. Et aussi, n'est pas quelque chose qui va enfermer dans une sorte d'orgueil de supériorité, mais bien au contraire, de se voir reflété en toute chose, en tout être. Et donc, quand cette évidence est là, bien évidemment, les tentations de égotiques, de les faire toujours passer sa propre personnalité, sa propre identité avant tout, ben, crée souvent beaucoup de souffrance et de mépris et de violence dans le monde. C'est ce que l'on voit de toute façon. Après la réalisation de votre essence, vous ne demanderez plus rien. Le corps n'est pas votre création, ni celle de vos parents ou de Dieu. Il a été créé spontanément. Une invitation là à sortir de toute histoire, de toute cosmologie, toute cosmogonie, quelle qu'elle soit, ce sont des aides à un moment donné, tout au mieux ce seront des aides sur lesquelles appuyer une introspection, mais c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment voir que c'est au-delà de tout ça et sortir de cet intérêt pour l'histoire, pour voilà, au début il y avait, à la fin il y aura. Non, ça n'est pas nécessaire en tout cas pour ce qui nous intéresse ici. Comparé à la connaissance de votre véritable nature, tous les lieux saints du monde ne sont rien. C'est éclairé par votre propre lumière que les lieux saints prennent leur importance. Là aussi, toujours cet inversement que procure, que génère ce retour à soi, cette reconnaissance de soi. Qu'est-ce qui est antérieur ? Voilà. Ce n'est pas en faisant des pèlerinages, comme ça se fait souvent, beaucoup en Inde, et par chez nous aussi à d'autres époques, de lieu saint en lieu saint, mais le véritable lieu saint, voilà, qui rend saint tous les lieux, c'est cette présence immuable, c'est ce soi. La plus grande faute, la plus grande erreur est de douter de la parole du gourou. Parole du gourou, c'est au-delà de simplement des mots aussi d'un maître, d'un gourou, c'est aussi de douter de cette écoute que l'on peut avoir de notre véritable présence. De remettre en doute pour se laisser emmener dans des élucubrations mentales ou emmener par des désirs qui nous écartent. De notre véritable réalité. La lumière que vous voyez à l'extérieur vient de votre propre lumière. La lumière du soleil et de la lune ne peuvent être comparées à la lumière du soi. Lumière du soleil, lumière de la lune, même si on comptabilise ça
en millions d'années, mais ça n'est rien par rapport à cette non-temporalité de la lumière du soi, qui est la source première. On peut parler de lumière, on peut parler de clarté, mais c'est ce que vous contactez là, avant qu'il y ait quoi que ce soit. C'est ce qui est là avant toute pensée, c'est ce qui est là avant toute image, c'est ce qui est là avant toute évocation même d'une déité, c'est ce qui est là avant l'évocation de l'univers. Ça, voilà. Il faut que ce soit là, bien évidemment. Le corps appartient à l'être humain, mais ce n'est pas l'être humain qui agit à travers le corps. C'est l'essence du soi. À cause de la conscience identifiée au corps, vous croyez être celui-ci ou un autre. Ce rétrécissement de nous-mêmes par cette identité qui nous donne ce sentiment de séparation, de petitesse et de manque aussi, qui va nous faire désirer ceci, cela dans ce monde et en fait qui entretient ce sentiment de séparation. Voilà, qui va juste des fois s'arrêter, qui va nous faire croire que oui, acquérir ça va nous satisfaire, parce qu'au moment de l'acquisition, voilà, la tension et la sensation de manque semblent combler, parce qu'il n'y a plus justement cette tension vers, cette attente qui se résorbe, mais, et qui nous fait croire que c'est l'objet en question ou la situation en question qui a résolu le problème. Mais non, c'est au contraire, c'est l'absence. Voilà, de cette tension vers et de cet entretien, de ce sentiment de manque, qui nous fait en fait, en quelque sorte, là, bien souvent dans ces cas-là, inconsciemment, mais revenir à voilà, un sentiment de plénitude, toute simple, mais qui n'a pas besoin de tout ce schéma-là pour être. À cause de la conscience identifiée au corps, vous croyez être celui-ci ou un autre. Ce n'est plus le cas quand le soi est réalisé. Assurément, vous allez mourir. Mais avec quelle identité? Bien sûr que ce corps va disparaître, mais est-ce qu'il va disparaître avec tout le processus d'être identifié, avec toutes ses peurs, avec tous ces concepts qui lui sont liés? Ou est-ce que, voilà, c'est simplement la disparition du corps va se faire avec tout ce qui lui est lié, de sensations, de perceptions, de pensées. Mais en qui, en quoi? En ce qui, ici, était déjà là avant la naissance, de ce qui, ici, a toujours été là, de ce qui, ici, sera là encore après la disparition de ce corps. La sensation « je suis » crée un léger mouvement en vous. Saisissez-le. Portez votre attention sur cette simple présence « je suis ». Pas d'une manière intellectuelle. L'invitation à sentir ce léger mouvement, c'est même pas forcément un léger mouvement, mais c'est ce niveau des sensations. Quitter le mental pour être dans l'expérience directe. Cela est facile pour celui qui se détourne des activités mondaines. La connaissance de l'existence est le moteur de tout. La conscience qui vous donne la sensation « je suis » est pareille au fait de se trouver au pied du Sadhguru. Revenir, invitation déjà donc à revenir à ce « je suis ». Plus simple expression, pour dire, cette plus simple manifestation, sentiment d'être. Et comme cela a souvent été évoqué, de le voir non pas comme un objet à saisir, mais comme un entrebâillement, comme une porte, comme un espace. Restez en contact avec elle. Au moins rappelez-vous que votre corps renferme la graine de l'absolu. Contemplez la flamme du soi, la nature éternelle de cette flamme,
est comprise par la réalisation du soi. Revenir déjà simplement à cette présence du je suis, et pourquoi pas l'évocation par une flamme. Soyez conscient que c'est votre propre histoire. Il ne s'agit pas là de conceptualisation de quelque chose d'extérieur, d'une compréhension d'un monde qui nous serait étranger ou dont nous serions séparés. C'est vraiment toujours de nous-mêmes dont il s'agit. Nous-mêmes, bien sûr, pas en tant que petite identité, mais nous-mêmes en tant que voilà, cette présence immuable. Alors votre qualité sera équivalente à celle de Brahman. Brahman, voilà, on pourrait dire le Dieu créateur. Tout comme vous savez, vous êtes capable de vous rappeler que vous êtes un homme ou une femme. Rappelez-vous, je suis Brahman. Ne vous présentez pas à la mort en vous nommant le corps. L'invitation à Brahman, c'est pas ce prendre pour Dieu en tant que petite personne, non. C'est la disparition de la petite personne qui, pour laisser la place à cette conscience, une créatrice de l'ensemble de tout ce qui peut être manifesté, de tout ce qui se manifeste. La méditation sur le soi est ce qui nous sauve. Le temps se dissoudra alors en vous et non pas vous dans le temps. Là aussi encore vraiment toujours ce renversement. On peut prendre l'image aussi comme un gant, hein, un gant qui se retourne, que l'on retourne, un vêtement que l'on retourne. C'est vraiment ce retournement, ce qui semblait intérieur est extérieur, extérieur, intérieur, ce qui semblait... mortel devient immortel, ce qui semblait temporel devient intemporel, ce qui semblait limité devient illimité. En tout cas, c'est pas qu'il y a, ça devient, c'est même que c'est la perception, c'est ce voile de l'identification qui s'enlève, qui s'est retiré et qui laisse place à ce qui était déjà là. Il n'y a rien qui devient en fait. C'est toujours le piège des mots. Voilà. C'est là. C'est vu. C'est reconnu. Ô gourou, ta vraie nature n'est en rien différente de mon propre soi. Et c'est ainsi que je me suis rendu à toi. Toujours ce double, ce langage sur des plans différents, hein, de Nisargadatta quand il évoque le gourou. Peut-être vraiment le maître en qui on a toute confiance, en qui vraiment on va pouvoir s'abandonner suffisamment pour se laisser guider, hein, et que cette guidance soit plus forte que tous les errements du mental, hein, et des conditionnements. Mais aussi jusqu'à ce que vraiment ce réveil du gourou intérieur puisse vraiment se faire et qu'il n'y ait plus de distinction, hein, entre cette présence intérieure qui nous guide et qui agit et qui fait tout et qui a toujours tout fait, malgré même tous les masques, tous les oublis, hein, tous les concepts qui peuvent interférer et des fois donner des comportements même complètement opposés à cette nature essentielle, qui peuvent même la nier. C'est ça, en même temps, la beauté de ce jeu aussi, quand on peut le regarder avec suffisamment de distance, c'est vraiment cet oubli, en quelque sorte, presque total, qui doit être là pour pouvoir que ce oui, que cette reconnaissance puisse se faire véritablement. Et c'est cette capacité qu'a l'être humain de pouvoir à la fois totalement, qui peut se faire de la conscience à travers l'être humain, de à la fois pouvoir totalement s'oublier et aussi en même temps
totalement se reconnaître et n'avoir que pour seul désir de se retrouver. Cette connaissance de l'être est comme un missile nommé Brahmastra. Brahmastra, c'est une sorte d'arme légendaire, voilà, qui atteint toujours son but, une arme un peu magique, on va dire. Et donc, c'est vraiment cette connaissance de soi, c'est vraiment, voilà, la clé de tout, quoi, finalement. Parce que, voilà, au lieu de s'occuper de tel petit problème, de tel autre petit problème, de résoudre ceci, de résoudre cela, voilà, non. En revenant à ça, eh bien, à cela qui a toujours été, qui est toujours dans cette complétude, hein, c'est qui nous fait, voilà, dont l'expression première, on pourrait dire, est ce Sat-Chit-Ananda, eh bien, voilà, tous les autres problèmes reprennent leur place de simples histoires, on pourrait dire, périphériques. Donc ce fameux missile, hein, qui ne rate jamais son coup. Un tel être paraîtra ordinaire. En apparence, voilà, vous n'allez pas avoir, pas changer de taille, vous n'allez pas, en apparence toujours, hein, voilà, vous pouvez continuer de vous comporter suivant les traditions, et notamment dans l'Avnat Sampradaya en plus, voilà, la vie quotidienne, la vie de famille suit son cours, le travail, s'il y en a un, voilà, il peut y avoir des périodes plus intenses d'introspection qui peuvent être nécessaires, mais il n'y a pas de règles, voilà. C'est une expression que cela va prendre, mais ce n'est pas l'expression qui va vous donner l'accès à votre propre vérité. C'est cet accès à votre propre vérité qui va faire qu'une certaine manifestation va se faire, mais sans que l'on ait à s'en soucier. Méditer sur le méditant, sur rien d'autre. C'est une grande bénédiction que de pouvoir entendre parler de la connaissance du soi de cette façon. Voilà. Pas se contenter d'écouter ça, je dirais, à la légère, mais vraiment de prendre le temps, et c'est un peu le sens de ces petites vidéos, c'est de nous amener à... Voilà, à nous poser un petit peu plus, et pas, hop, de passer simplement à la page suivante, de passer à, voilà, un texte suivant, au sage suivant. Non, c'est vraiment de laisser se manifester vraiment et prendre racine, ces enseignements, vraiment leur laisser toute la place pour leur pouvoir transformateur. Voilà. Bien évidemment, ben, vous retrouverez le texte dans son entier sur le site. Et puis, voilà. Tout simplement laisser se faire cette reconnaissance de la conscience en elle-même, par elle-même. Tout se fait comme il faut, comme il se doit. Bien à vous. Voilà. En unité d'être.